Ce samedi 4 février 2023, les mamans albayennes de Bouaké, en collaboration avec la Fédération nationale de randonnée des pédestres et du bien-être pour tous, en abrégé la FIRAP, ont initié une séance de fitness et de marche pour renforcer la cohésion entre elles et bénéficier des avantages liés au sport. Il s'agissait de faire les mouvements destinés à donner l'équilibre au corps et marcher à une distance d'environ 3 km. Selon la trésorière des mamans albayennes de Bouaké, le sport stabilise la santé, surtout chez les femmes, après une période de maternité. Au nom de la présidente Hadia Rahmatoulaye Doumandé, nous remercions l'association FIRAP d'avoir organisé cette manifestation. Vraiment, on remercie toutes les femmes, les mamans albanes, les mamans, au fait de venir faire le sport. Le sport, c'est une très bonne chose. Ça, c'est pour la santé, c'est surtout nous les mamans qui faisons des enfants avec l'accouchement, vraiment ça nous aide. La directrice départementale du sport s'est réjouie de la participation des dames musulmanes aux séances hebdomadaires de sport. Depuis que je suis à la tête du département ici, j'ai remarqué que les femmes d'Albayane étaient toujours présentes les dimanches pour participer aux activités de la FIRAP, parce qu'elles ont compris effectivement que le sport est facteur de santé. Elles-mêmes peuvent témoigner du bien-être qu'elles ont eu depuis qu'elles ont commencé à pratiquer le sport. Donc le sport va me permettre d'éliminer, au moins de ralentir toutes les maladies métaboliques, entre autres l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies du cœur, beaucoup de maladies. Rappelons que la FIRAP est une fédération créée le 13 juin 2015 à Abidjan par 62 clubs, associations et groupements sportifs. Elle regroupe dès à présent 250 clubs dans 88 ligues en Côte d'Ivoire.